me décide à cultiver la fraise géante pour vaincre enfin cette peur que j'ai toujours eu des plantes. Et poussé par le désir de me faire admettre parmi les jardiniers comme collègue et maître, pour prouver au monde qu'en plomberie je suis champion, j'installais moi-même le système d'irrigation. Il me restait un mètre à creuser jusqu'à la serre, lorsqu'une fontaine noire jaillit de la terre. Une eau si sale et grasse n'est pas de l'eau, ma parole. Ça a le goût, ça a l'odeur, mais oui, c'est du pétrole. Et pendant que mes doigts examinaient la matière, je pensais à ces vers d'un poète berbère. Heureux celui qui, au fond de son jardin, trouve du pétrole et en fait profiter les copains. La fraise géante était vite oubliée à la place. Je remplissais des bols, des bidons et des tasses. Tous mes voisins accouraient, attirés par le pétrole, munis de jerrycans, de marmites et de casseroles. Un vieillard oublia ses rhumatismes et indiqua les places aux autos et vendit des lots de tombola. Déjà un photographe de presse et un journaliste précédaient de peu le premier car rempli de touristes. Un commerçant installa pour accueillir tout ce trafic dans ma serre un stand de frites et un WC public. Un redoutable cœur d'enfant vint apparaître pour me chanter cette au bas de sous ma fenêtre. Heureux celui fond de son jardin trouve du pétrole et en fait profiter les copains. Mon jardin devint bientôt un lieu de pèlerinage. Déjà il figurait sur les prospectus de voyage. Je vis plein d'amis disparus venir remplir leurs bouteilles et se comporter comme si on s'était quitté la veille. Même le pape m'envoya un message de paix et m'offrit le vélo qu'Eddie Merckx lui avait donné. La mafia et plusieurs fabriques d'automobiles me proposaient des accords commerciaux fertiles. Un impresario choisit mon jardin pour y faire un festival de jazz et de rock en plein air. Je reçus même un apéron de la part d'Annabelle et elle avait brodé ses mots sur la dentelle. Heureux celui qui au fond de son jardin trouve du pétrole et on fait profiter les copains. Je pris donc un brevet sur ma méthode de forage. J'installai des citernes dans la cave et le garage. J'y vis projeter une raffinerie de toute urgence lorsqu'un de mes technologues ébranla ma confiance. Votre nappe de pétrole, dit-il sans merci, c'est le pipeline qui mène de Bordeaux à Paris. C'est ça la vie, et ça ne manque pas de surprise. Alors je me souvins de ma première entreprise et de l'instinct qui s'était moqué un instant de moi. Voulait voir mes efforts botaniques couronnés de succès. Car engraissé de frites et arrosé de bière, la fraise ressortait par le toit de la serre. Une fraise grosse comme une maison, aide-moi à la porter et nous la partagerons. Gaspard.